Ok, hola tout le monde, on va partir. Je vous ai pas vu encore moi le matin, c'est la première, je faisais plus le soir. Vous m'avez manqué, vous savez. Alors, tac, je coupe le micro de tout le monde comme d'habitude, moi je vous vois bien, donc s'il y a un petit souci ou autre, des grands signes, et je couperai pour Est-ce pouvoir... Est-ce qu'on a besoin de matériel ? Non, on est nombreux là, on sera au poids de corps, tout au poids de corps, ok ? Juste un tapis bien sûr. Tac, tac, donc je vous mets muet, je balance ma musique et puis on est parti. Hop, allez, dans 10 secondes. Allez, let's go, c'est parti. Donc au poids de corps, sans matériel. Body tonique, je viens ici directement, jour et de l'autre. Mobilisez gentiment le haut du corps, le buste, se réchauffer. Pousse, 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 pousse. Ok, fois deux et une, deux, une et deux, une. Deux, une et deux. Voilà, essayez de te relâcher hein, le plus possible. Pour l'instant, j'ai les pieds qui sont fixes au sol. Puis reprends single, mais avec la jambe qui vient se tendre derrière. Voilà, doucement. Grande amplitude. Parfait, rentre le nombril, grandis-toi. Prends des grandes inspirations, des grandes expirations. Allez, encore. 8 fois. 4 fois. Ok, fois 2. Et 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok, talons fesses. Voilà, monte, premier mouvement, l'objectif c'est pas forcément d'aller très très vite, par contre c'est d'aller très très haut. Je veux que ton talon touche ton fessier, mobilise le muscle entièrement. Encore, 7, 14, 12, 8 fois, et 4, ok, genoux. Pareil, très très haut, le genou aux oreilles. Ok, main sur les hanches. Ouh, 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 ouh. Très très bien, rentrez le nombril. Ouvrez la cage thoracique. Hop, 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 hop. Reprends talons fesses. Voilà, doucement. J'espère que vous avez bien déjeuné. Un bon pain avec du Nutella, c'est ça? Mais non, un peu de pain, du beurre, un fruit. Hop, 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 hop. Ok, commence à relâcher. Diminuez le mouvement. Doucement. Ok, ici, petite flexion. En bas et en haut. Toujours dans l'échauffement. Commence à te concentrer sur les cuisses, d'accord? L'objectif, c'est vraiment de te dire, ok, je commence à mobiliser les jambes, je pousse avec mes quadriceps, mes fessiers. Pousse, descend, pousse, descend, pousse, pousse. Petite amplitude, monte, gardez ça. Encore, en bas, en bas. Alors, qui sont les motivés du jour? Yes. Je regarde s'il n'y a pas d'imposteur qui ne fait pas partie de la team Acropole. Ok, plus bas. 7, 15, 14, 13, 12,
direction des pointes de pied, je regarde loin de moi. Relâchez, reprends, mouvement du départ. Termine l'échauffement ici. Ça va? Donc n'hésitez pas à communiquer avec moi avec des pouces négatifs. Hop, hop, hop. Et 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Soufflez. Les deux pieds serrés. J'inspire. Et j'expire. Ok. Si besoin, vous pouvez enlever le petit pull, hydrater, et on va démarrer le body tonic. Les choses sérieuses. Ok. On se retrouve de face dès le départ. Ici, position de squat. D'accord? Vous allez avoir 16 squats à faire, puis venir travailler sur des genoux dynamiques. D'accord? Puis on reprendra 16 squats. Ok? C'est parti. 16, 15, 14, 13, 12. Attention, hein, toujours pareil. Attention à votre regard. Regardez loin devant. D'accord? Si vous regardez le sol, vous allez arrondir le dos. Ok? Donc regardez loin devant. Forcez-vous à garder un buste droit bien fier. Ok, genou dynamique. Ah, donc là, je mets une possibilité avec rebond. Bien sûr, tu peux travailler sans rebond, hein, sans impact au sol. Problème de genou, on évite. Et maintien. Monte, 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 monte. Et reprends les squats. En bas et haut. En bas et haut. En bas. Et haut, descend et monte. Encore. Genou. Allez, encore. 16 fois. 7, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Squat. Bas. Bas. Descends. En bas. En bas. Expire. Bas et monte. Bas. Bas, 8 fois, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dernière, genou. Allez, encore. 16 fois, 7. Donc n'essaye de pas dépasser la ligne des épaules avec tes bras ici, ok? Encore. Ok, sans les jambes, statique. D'accord, mon coude est fléchi à 90 degrés, hein.
Mouvement rapide, dynamique, abdos serrés, fessiers serrés, genoux fléchis. Allez, tonique. 7, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Reste en haut, reste ici. Temps, reviens. Temps, reviens. Temps, reviens. Temps, reviens. Temps, reviens. Temps, reviens. Temps. Attention, ça va chauffer un petit peu. Reste tendu en bas et touche. Bas et touche. Inspire. Hop. Voilà, attention au lustre et au mur, au plafond. Allez, accroche-toi. Allez, encore. Attention, sur 30 secondes, l'objectif très rapide et monte, 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 tonique. Allez, let's go. Très rapide. Allez, courage. Parfait. Allez, faut que ça travaille. Parfait. Super. Allez, lâchez pas. Bien, Nadia. Allez, accrochez-vous. Bien, Magali. Allez, on se grandit. Genoux fléchis. Ok, reviens ici. Ouvre et ferme. D'accord. Là, ça va être un mouvement un petit peu plus complexe. Dans l'idée, on a tout de suite envie de tricher sur ce genre de mouvement. Travail des cuisses et des fessiers. D'accord. On va venir ici, s'arrêter là. Les deux pieds vont être alignés, parallèles. Vous allez placer vos deux mains comme ceci, serrer les abdominaux. L'objectif, ça va être d'ouvrir et d'ouvrir, mais pas trop. Si vous ouvrez trop, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous regrandir. Moi, je veux qu'on reste en bas. D'accord? 4, 3, 2, 4 fois et 1, 2, 3 et 4. De l'autre et 1, 2, 3 et 4. Top mouvement dans le sens où si t'es facile, descends plus bas. Si c'est dur, remonte 4 fois et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essaye de faire comme moi, de te mettre un repère et c'est toujours le même trajet, d'accord? 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4, encore. Ça commence à chauffer. Si ce n'est pas le cas, descends plus bas. Allez, on assiste. 4, 3, reste ici, le pied droit au sol. Et à gauche, tonique. Ton objectif, le pied droit ne bouge plus. Il est fléchi et il ne bouge plus. Statique, enfoncé dans le sol, d'accord? Hop. Travail du fessier, de la cuisse. Allez, gardez ça. Ok. Allez, allez, on descend. Allez, courage, courage, courage. 30 secondes avec les bras. 4, 3, 2, rapide et bam, bam. Descends plus bas. Si t'es facile, t'as même plus besoin de toucher le sol. Allez, hein, courage. Là, ça commence à chauffer. On essaye de garder le buste à peu près droit quand même. En 4, 3, 2, 1. Super. Je suis désolé, on ne va pas récupérer. On est reparti. Et 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3, 4. Encore. Allez, courage. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2. Ok, reste ici. De l'autre côté, c'est le pied gauche qui est au sol. Le genou est fléchi, c'est la priorité. Trouve tes repères. Hop, hop. Donc là, il y a un gros travail
équilibre. On travaille ton fessier, ta cuisse. Le fessier, son rôle, c'est d'être stabilisateur, d'accord? Donc là, tu dois chercher à te déséquilibrer. Mais lui, il lutte contre le déséquilibre. Encore. Allez, tenez-moi. Fléchis, on n'oublie pas. Il restera 30 secondes. Si tu es à l'aise, ne touche plus le sol. 4, 3, 2, 1, go. Allez, tout en équilibre. Allez, tout le monde, lâchez pas. Parfait, ça. Attention, Colette et Yves, ne vous mettez pas de coup de pied. 15 secondes. Voilà, en touchant le sol, c'est la même chose. Encore. 4. 3. 2. 1. Oui. Pause fraîcheur. Hydraté. Est-ce que ça va? Oui, oui, que du oui. Si c'est trop facile, dites-le moi. Moi, je suis un peu fatigué, hein. Je suis comme vous, je fais un peu moins de sport. Ok, venez avec moi ici. Tout simplement, on va reprendre doucement les deux mains parallèles. Là, là, là et là. Let's go. Droite, reviens. Gauche, reviens. Mouvement facile, d'accord? Mais travaillez avec vos sensations. Inspire, expire. Ok, la volonté de contracter ici toute la sangle abdominale, d'accord? Hop. Inspire. Allez, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, reste ici. Incline, pivote. Si tu as besoin, tiens-toi, mur, chaise, porte, peu importe. Pointe de pied à l'arrière. Personne sur le talon, d'accord? Pointe de pied. En bas, en haut. Soit les deux mains devant, soit en tenant un objet ici. D'accord? Mais j'aimerais que tu descendes très très bas. D'accord? Avec une grande amplitude. Ok, c'est bien les mouvements, parfait. Ouais, nickel. Travaillez sur votre rythme. La priorité, c'est de descendre tout en bas. C'est pas grave. Si tu es assez souple et que tu peux aller chercher une grande amplitude, vas-y, n'hésite pas. Voilà, Magali par exemple, nickel. Jaja également, c'est bien.
Super, ça, c'est bien tout le monde. Nickel. Parfait, Sylvie. Allez, accrochez-vous. En bas et monte. Bas, monte. Ok, regarde, la même chose. Plus de déséquilibre. Finis sur les pointes de pied. En bas et monte. Bas, monte. Bas, monte. Bas, monte. Bas, monte. Voilà, et là, gros travail du transverse. Hein, vos abdominaux ne vous servent pas qu'à faire des crunchs. Ok, ils servent aussi à vous équilibrer. Donc là, rentrez bien le nombril et très verrouillé là-haut. Solide. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Allez, il commence à avoir une petite fatigue générale qui s'installe. C'est l'objectif hein, sur le body tonic. Comme je disais pour les personnes présentes hier soir. On a changé le côté. Pointe de pied à l'opposé. 4, 3, 2, bras devant ou avec un support. Allez, hein. Habitue-toi au mouvement. En bas, haut, bas, haut, bas, haut. Inspire, expire. Toujours dynamique. Attention à votre genou. Magali, attention à ton genou de devant qui ne doit pas avancer. C'est bien, Nadia. Parfait équilibre. Marie-Françoise, c'est nickel. Ok. Abdos serrés. Regardez loin devant. Ne regardez pas vos pieds. Bien, Janine. Parfait. 16 avec les bras. 15. 14. 13. 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, vous rappelez, on va rester en bas bien sûr, 2, reste en bas, bloc, les bras devant, allez courage, je vous demande de rester jusqu'à la fin, restez en bas, un peu ou beaucoup mais on reste en bas. Allez, je sais, ça commence à chauffer. 15 secondes. Et là, vous vous dites que c'est long les cours, que c'est chiant. Pensez à la fin. Attention, 4, 3, 2, 1, relâchez. Yes. Ok, hydratez, c'est important. Ok, on va faire monter le cardio sur 3-4 minutes, pas plus. L'idée, c'est de reproduire les mêmes mouvements que les miens, mais vous pouvez les adapter, d'accord? Vous allez voir, un rebond peut se transformer en un genou simple, également pour les kicks, d'accord? On vient ici avec moi, tac, les deux pieds, largeur bassin et tout simple, et droite, gauche, là sur 3-4 minutes, je lance le chrono. On fait monter le cardio avant de passer au sol. Allez, tac, tac. Parfait. Ok, avec les jambes et boum, boum, boum. Ok, donc regarde, je descends sur mes jambes à chaque fois. Mes bras sont bien en position de garde. D'accord? Hop, hop. Un squat. Et tu poses. Hop. Parfait. 4, 3, 2, côté. Voilà, une flexion et tu poses. Okay.
Oh, squat. 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 4 fois. 3, regardez-moi, hein, je suis sur les squats. Ok, reste en bas, bloc et box rapide. Allez, très rapide. Plus vite, plus vite. Reprends. 8 squats. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rapide, et box. Je suis en bas. Ok, remonte. Squat. Quatre fois. 4. 3. 2. 1. Box. C'est bien encore. Que vous êtes énervé. Parfait, parfait, parfait. Ok, genoux. Queue à gauche, gauche, gauche. Là, c'est la variante simple. Le pied au sol. Variante plus dure. Rebond. Ok, de l'autre. Facile. Du sol. Parfait. Encore. Allez, jusqu'au bout. Ok, relâchez, hydratez. Je vous laisserai prendre votre tapis et nous passerons au sol. C'est bien, c'est bien. Tout le monde va bien. Donc essayez de garder, super, essayez de garder la caméra de façon à ce que je vous vois, d'accord, même au sol, si ce n'est pas possible, c'est pas très grave. On va rester sur des choses assez simples que vous devriez maîtriser. L'avantage, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'on vous connaît plutôt bien, vous travaillez plutôt bien, donc on ne va pas prendre trop de risques, mais ça nous permet d'être efficace. Ok, on est sur le dos. Talon au sol, bras vers le ciel et la cheville droite sur le genou gauche. Ok? Ici, on oublie cette jambe droite. On pense qu'au talon gauche. Deux temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, single, en haut, en bas, haut et bas, monte, monte, lève, 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 16 fois, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, allez, courage! Reste en haut, tout petit maintenant et pause, 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 tout petit rebond,
Très bien, ça va. Et hop, hop. Presto. Il ne restera 16 singles. Soit comme ceci, soit avec la jambe tendue. Go. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. Essayez de tendre cette jambe qui est non au sol, d'accord? Oubliez-la. Allez, jusqu'au bout. Relâchez. Parfait. Allez, on va commencer à réchauffer la sangle abdominale. Genou fléchi, main derrière la tête. Ne tirez pas sur votre nuque, d'accord? Pensez contraction. Vous souhaitez verrouiller les abdos. D'accord? Le but, c'est pas d'aller le plus haut possible sans les ressentir. Si tu dois aller que là et que tu ressens les abdos et non la nuque, c'est parfait. Ok? Ne cherchez pas à aller trop haut. 4, 3, 2 et 1. C'est parti. Saut. Sur la première, travaillez doucement à votre rythme en expirant profondément et en inspirant profondément. D'accord? Je veux voir aucun menton qui est en contact de votre cage thoracique. C'est bien, parfait. Ne croisez pas les deux pieds. Allez, on garde ça. Vous êtes parti sur une minute de petit crunch. En douceur, j'expire et j'inspire doucement. C'est plutôt bien la technique, parfait. C'est bien Yolène, nickel. Allez tout le monde, ne lâchez pas. 15 secondes, sans bouger les jambes, essayez de ne pas bouger les jambes. Sans trop de récupération de l'autre côté, la cheville gauche sur le genou droit, main au ciel. 4, 3, 2, 1. Expire, inspire. Nombril rentré. Bien engagé au niveau des omoplates. Et je pousse, toujours pareil. Je souhaite travailler mon grand fessier. Allez, approchez-moi, que ce soit sur YouTube ou sur Zoom, on tient bon. Encore. Allez, 16 fois, 16, 15. C'est bien. Vous pensez pousser dans le talon, hein, dans votre talon. 8 fois, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, bloc, petit, monte, 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 tout petit rebond, parfait, allez on garde ça, 16 fois, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, reste en haut. Tends la jambe si tu l'as tendue sur l'autre pied. Pas le choix, on fait la même chose de chaque côté. Et on sera parti pour 16 répétitions. T'es prêt? 4, 3, 2, 1, go. Et 16, 15. 14, 13, 12, 11, allez, c'est plus complexe sur celui-ci,
C'est bien tout le monde, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Allez, on finit sur la sangle abdominale. Attrapez vos genoux et venez avec moi en position assise. Les mains à l'arrière des cuisses et je décolle les pieds. Je regarde loin devant. Facile pour le moment. Voilà, gardez ça. Normalement, ça va, c'est pas trop difficile. Placez votre buste afin d'être à l'aise, ne pas avoir de tension dans le bas du dos. Inspirez, expirez. Puis là, vous allez dérouler, venir vous allonger. Genoux fléchis, cuisses, cross. Allez, hop, hop. Montrez l'entrée, on pense à respirer. Ok, attrape les genoux et bascule en position assise. Maintenant, les bras ne sont pas à l'arrière des cuisses, mais devant, au niveau des tibias. D'accord. Et une deuxième fois, déroule, cross, mais hop, là, les deux jambes en même temps. Allez, courage. Et attrape genoux, rebascule, et cette fois-ci les bras devant. Allez, plus dur, je sais. Ok, relâche. Pied au sol, main derrière la tête, on termine. Haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Bah, c'est votre dernier mouvement. Épaule droite vers le genou gauche, puis à l'opposé. Qui c'est qui a osé te déranger durant ta séance au téléphone? 30 secondes. Toutes les excuses sont bonnes. Allez, on tient bon. Parfait. Allez, 15 secondes. Et relâchez, soufflez. Ok, je vous laisse vous allonger dans toute votre longueur. Relâchez le buste et le corps. Inspirez, expirez. Délicatement. On va prendre une ou deux minutes pour relâcher toutes les tensions physiques, psychologiques.
Ok, vous attrapez vos deux mains et vous grandissez. Expirez. Puis attrapez vos genoux. Et massez le bas du dos. Ouvrez les bras de chaque côté, laissez tomber les genoux à droite et le regard à gauche. Voilà, gardez sa petite rotation au niveau du dos. J'inspire, j'expire toujours en profondeur. Puis la même chose de l'autre côté. Inspirez et expirez. Puis revenez dans l'axe, tendez les jambes le long du corps et de nouveau grandissez-vous, les bras loin derrière. Fermez les yeux et prenez trois grandes inspirations, trois grandes expirations. Puis attrapez vos genoux et basculez gentiment vers l'avant en position assise. Revenez face au sol délicatement pour te relever progressivement en déroulant la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre. Et je te souhaiterai une très belle journée, une bonne fin de semaine. Bravo à tout le monde, c'est bien, vous avez bien bossé. Vous avez des niveaux différents sur la séance. Gardez la forme, la santé, et puis on se revoit très vite. Ciao, ça fait plaisir en tout cas. À plus.